Et voilà, Marie-Laure Augry étant absente, n'ayant pas l'occasion tous les jours de recevoir la reine Christine, eh bien, ce sont trois jeunes filles qui s'appellent, vous les avez peut-être reconnues si vous vous intéressez au monde de la disco-musique, Bananarama, qui vous ont souhaité la bienvenue pour cette édition de 13h. Nous les retrouverons tout à l'heure. Comme nous retrouverons Guy Béard, l'une des vedettes de TF1, pour ces émissions de fin d'année qui commencent, et on peut le dire, nous allons essayer de donner un petit air de fête à cette édition de 13h. Comme nous retrouverons également l'un des hommes de l'année 83, David Bowie. Et à ce sujet, regardez ce télégramme, je l'ai reçu ce matin. David Bowie se porte bien, il est vivant malgré ce que l'on avait cru pendant quelques heures et la rumeur qui s'était répandue. Il se porte bien, il a envoyé ce télégramme, il continue sa tournée et il passera un Noël tranquille en famille. Nous en sommes donc informés, nous l'aurons tout à l'heure dans cette séquence qui lui sera consacrée. David Bowie, l'une des vedettes également de TF1 pour ses fêtes de fin d'année. Nous le retrouverons le 31 décembre dans la soirée des Discos d'or de TF1. Nous le retrouverons ce soir même dans l'émission de Jean-Bernard Hébé qui consacrera à David Bowie un spécial avec tout ce qu'il a fait en matière de clips et de chansons en cette année 83. Voilà pour le divertissement. Auparavant, eh bien, la...